coucou, bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play Animal Crossing Happy Home Designer. Alors pourquoi j'ouvre pas sur le générique, sur la petite musique du jeu? Bah c'est parce que en fait Nintendo casse les pieds après, enfin, c'est-à-dire qu'au niveau de la monétisation de la vidéo, on dit la vidéo peut pas être vue dans tous les pays ou je sais pas quoi, enfin bon bref. Et je suis obligée après de couper la musique, donc voilà quoi, donc c'est vraiment galère. Et bon bref, on arrête de râler. Aujourd'hui j'ai prévu de vous faire une vidéo avec ça. Voilà, pour vous montrer comment on l'utilise. Vous parler aussi des cartes Amiibo, puisque j'en ai racheté hier un paquet pour moi et un paquet pour Léa. Voilà, alors là je le fais volontairement donc sur la 3DS XL Rose qui n'est pas la New 3DS XL, enfin la New 3DS quoi. Voilà, comme ça on va voir comment l'utiliser. Je sais que c'est vendu tout seul 25€ à Micromania, je trouve que c'est quand même vachement cher. Voilà. Alors moi théoriquement j'aurais pu m'en passer parce que j'ai la New 3DS XL, mais comme j'avais vraiment envie d'avoir le jeu très vite et qu'il l'avait en avance à Micromania, je l'ai pris là-bas. Sauf que là-bas, ils n'avaient que la boîte avec ça dedans. Bon, je me suis dit, de toute façon, comme j'ai les 3DS qui ne sont pas new, de toute façon, je pourrais toujours l'utiliser. Voilà. On y va? Allez, c'est parti. Donc, j'ai coupé la petite musique. Au moins au début. Je vais vous la faire. Voilà, genre on fait l'intro. Et voilà, c'est Bob. Yeah! Bon. Allez, on y va. Continuez. Et vous entendez le café qui passe. Voilà, vous n'aurez pas tout perdu. Donc, oh bonjour championne, aujourd'hui rien de prévu, à toi de trouver de quoi t'occuper. Eh bien on va aller voir, je crois que c'est le téléphone. Moi j'aime bien ce téléphone, on dirait vraiment un téléphone Fisher Price. Par contre attendez, je vais aller me changer avant parce que j'ai finalement la petite fleur dans les cheveux, j'aime pas trop. Voilà, on va aller se faire belle. Alors, je veux mettre, en fait, c'est surtout la tête là qui me... Voilà, je vais enlever ça. Et, bon. Alors là, ça fait vraiment bizarre. Non mais attendez, faut que je monte, je suis bête moi. Moi, c'est rigolo ça. Allez, on va faire chef de chantier pour aller utiliser la... Le NFC Reader. Allez, ok. On est fin prête, on redescend. Alors, on va aller voir ce fameux téléphone. Bienvenue, nous te remercions d'utiliser le téléphone Amiibo. Alors en bas on a je veux téléphoner, donner de clientèle, c'est quoi ce truc? Alors c'est quoi ce truc? Tu peux proposer tes services avec le téléphone Amiibo et les cartes Amiibo Animal Crossing. Choisis donner de clientèle pour enregistrer la maison d'un client sur une carte Amiibo Animal Crossing. Tu peux ajouter aussi à ton catalogue les meubles enregistrés sur une carte, ça c'est pas mal, pour enregistrer des meubles sur une carte, ni une carte Amiibo. Animal Crossing dans une maison décorée par un autre joueur. Bienvenue, nous te remercions, dadada. D'accord, bon, alors, je veux téléphoner. Pour accéder aux données d'un Amiibo, allume le lecteur. Bon, alors attention. On va ouvrir la bobotte. Et déjà, on a des piles. C'est sympa, plutôt. Enfin, pour 25€, ils sont... C'est gentil d'avoir mis les piles. Alors, on va faire de la pub. C'est pas qualité filtre. Oh la grosse manne bien naze. Alors, donc je vais par devers moi, comme dirait monsieur de Trictrac TV. Par
parenthèse, j'espère que lundi, j'aurai enfin pas une réunion pour pouvoir jouer avec mes collègues au jeu de société, parce que cette année, c'est le lundi. On joue ensemble. Donc voilà. Donc, c'est dans un... J'aime bien mettre des petits trucs comme ça. Mais... Je vais peut-être pouvoir aller à Cache tout à l'heure. Ça fait une plombe que j'y suis pas allée. Et vous avez vu ma tasse de café, tiens, entre parenthèses. On dirait trop Animal Crossing. J'aime trop. Bon, alors c'est comme ça. On dirait un gros taille-crayon. Donc je vais mettre les piles dedans. Comme dit Léa, c'est cool, ils n'ont pas mis des... Il n'y a pas besoin de tournevis, parce que c'est vrai que quand il faut... L'autre fois, je lui avais acheté, je sais plus, un truc, un Furby. Et puis, on était en vacances et... J'achète le Furby, toi, elle était super contente. Et putain, il fallait un tournevis. Genre, c'était limite à la fermeture des magasins. On est allé dans un truc genre Leader Price pour trouver un tournevis. On n'en a pas trouvé, donc elle s'est retrouvée avec son Furby, sans pile. Elle était super contente. Bon, alors, voilà. Une petite veilleuse maintenant pour la nuit, c'est cool. Donc, je le mets là. Voilà. Je vais vous montrer. Puis, place-y ta carte Amiibo de l'animal que tu veux... contacter. Je vous montre. Bon, alors on a le choix entre... Comme ça, vous me direz si les prochains épisodes, ce que vous voulez. Alors, j'ai mes lunettes. Pouli. Bengale. Rezzetti. Ça, c'est les miennes. Hein. Après, je vous montrerai celle de Léa. Phil. Pascal, Margot et Sarah. Et dans les cartes qu'a eu Léa hier, il y a... Alors, attendez. Il y a Pascal, elle aussi, elle a Pascal. Il y a Charlène et il y a Rachida. Alors, hier, il y a une... Je vous poste toujours hein, sur ma page Facebook... plein de trucs et il y a, vous avez réagi parce que j'ai mis la photo en fait de mes nouvelles cartes sur Insta et donc sur Facebook et il y a une abonnée qui m'a dit ah oh, Rachida c'est trop bien voilà et d'ailleurs il faut que je m'achète des petits vous savez les trucs pour ranger les cartes comme les où je mettais mes cartes Pokémon là je vais m'en acheter un avec une centaine de cases pour pouvoir mettre la première série des cartes Amiibo voilà. Bon, ça c'est les cartes de Léa. Alors, moi je vais prendre. Je vais prendre. Bon, allez, je vais prendre. Je vais prendre peut-être Sarah. Allez. On y va. Donc je la mets dessus. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Comment sa connexion impossible. Peux-tu réessayer? Oui. Oriente. Ah ouais, il faut que je mette. Ah ouais, ça va pas de pratique, attendez. Il faut que je le mette sur un truc comme ça. Peut-être. Voilà. On va galérer, je pense. Oui. Tu vois, ça va aller mieux. Alors, qu'est-ce qui va pas? On recommence. Peut-être qu'elle est trop basse. Est-ce que j'ai mis la carte dans le bon sens? Alors, est-ce que je sais pas faire? Je sais pas. Il faut mettre ça comme ça, normalement. Oui, allez. Ce qui va durer 3 plombs. Bah oui. Peut-être là comme ça alors, attendez. On va essayer. Et là, elle dort. Ah, ça y est.
C'est cool, ça marche. Sarah, vision de la maison idéale, préfère en discuter directement. Cool. Peux-tu parler à Sarah? Oui. C'est marrant, hein? L'harmonie est paix, la paix est unité, l'unité est harmonie. Bon, bah, je retourne me coucher là parce que tu es bien en relation avec Sarah. Lorsque les mots auront fini de couler de ma bouche, tu t'exprimeras. Oui. Je vois. Ainsi, tu t'appelles Sunny Bob et tu travailles pour Nook Immobilier. Et tu désires t'entretenir avec moi au sujet de mon palais. Notre rencontre était prédestinée. Rude est la tâche qui t'attend. Tu n'ignores pas que Sarah est elle-même une décoratrice inspirée. Oui, c'est vrai que j'ai pas choisi la facilité là. Courage et persévérance, telles sont les qualités qui te permettront de me convaincre. Mais en m'appelant, tu as déjà fait la moitié du chemin. Je vais à présent cheminer vers toi à mon tour et ainsi nous nous rencontrerons. Voilà. Sunny Bob, tel que tu dois te prénommer. Je reprends un coup de café parce que là, je suis Sarah. C'est ainsi que mes concepteurs m'ont nommée. J'ai parcouru le monde, vu mille et une merveilles architecturales. Puis je suis rentrée, j'ai revu mon palais, j'ai pleuré. Aucun décorateur au monde ne peut le sauver désormais. Je dois me résoudre à l'abandonner. Je vous montre en bas, carte blanche. Mais toi, tu me bâtiras un nouveau palais. Oui, alors attendez. Il faut que je me note ça. Hop! Parce qu'après, quand je mets en ligne, je ne sais plus. Donc, Sarah, carte blanche. Aucun problème. Soulagement et allégresse. Merci, ami. Bien, Sarah, entrons dans le vif du sujet. Sunny Bob, choisis le terrain qui te semble convenir le mieux. Alors cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me planter sur les saisons, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Donc, Sarah, où est-ce qu'on va la mettre? Je sais pas, moi. C'est marrant, hein? Ah, on va la mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme saison? Hiver, printemps, été, automne, hiver. Printemps, été. Moi, je vais la mettre au printemps comme ça. Alors, c'est décidé, Sarah. Voici un projet qui se présente sous les meilleurs auspices. Ok, Sunny Bob, je te confie Sarah. Emmène-la sur place et ensuite au travail. Allez, go. Un caravansérail pour me reposer entre deux voyages. J'ai hâte qu'il prenne forme. Ok. Alors, bah déjà, on va essayer de lui trouver une petite maison toute choupinette. Donc, on va faire ça. Alors, je vais lui faire ouais, un palais. On va lui faire à Sarah. Comme il y a du rose derrière, on va lui mettre du rose. Mais le rose, il n'est pas super rose. Hein. Voilà. On va lui mettre du rose et du blanc. On va lui faire une petite porte toute choupinette. Enfin, toute choupinette avec un petit cœur. Voilà. Et une petite barrière sympathique. Et c'est cool ça, non? Vraiment, ça me va bien. Et la maison. On va les mettre au milieu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est marrant, c'est mignon, hein, quand même. Alors, on va aller. Attendez. Non, ça c'est pour faire un truc. Oh, c'est quoi ça? Oh, mais il y a des trucs là. Ah non, il n'y a pas de trucs. Bon, alors. Au niveau des arbres, ouais, des petites plantes, on verra après. Ok, on peut
pas lui mettre un tapis L, lui mettre un tapis M, voir ce que ça donne. On peut pas. Merde. Bon, on va l'enlever le tapis alors. Bon, ok, alors. On va rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bon, alors... Mais où est-ce que... Tout a... Alors, mettez-moi dans les commentaires si vous savez, parce qu'ils disent qu'il y a des objets, mais ils sont où les objets? Ils sont où les objets qui sont liés au... À la carte. Non, je veux pas un mur rotin. New. Ah, c'est pas mal ça. Ça j'aime bien parce que alors du coup on va changer le tapis. Il n'y a pas de new là. Mais un truc assez sobre. Moquette blanche. Qu'on peut pas mettre. Ah, faut que j'enlève le tapis. Mais oui. Alors attendez. Moquette blanche. Voilà. Non, ça, ça va pas. Est-ce qu'on peut mettre. Non, ça, ça va pas aller. Non. Je crois qu'on va laisser la moquette blanche. Hein. Ok. Alors, on va voir ce qu'on peut accrocher maintenant. Shape Kéké. Ça tombe pas hyper bien. Est-ce que j'en mets un autre comme ça? Ça fait un peu bizarre. Hein. Ça fait bof. Bon, on verra après. Alors, qu'est-ce que je peux accrocher encore? Bon, ça c'est les vêtements, on s'en fout. Et alors, au plafond, je regarde s'il n'y a pas des trucs nouveaux. Non. Mais comme elle voyage pas mal, on peut peut-être mettre genre un truc, une map monde, ou il y a peut-être ça quelque part. Bon, un lit. Je regarde d'abord s'il y a des nouveautés. Hein. Mais franchement, je vois pas où sont les nouveautés de la carte Amiibo là. On va lui mettre une petite coiffeuse. Avec une petite chaise, y a que ça en chaise, non? Ouais. C'est pas top, hein. Ça, est-ce que ça va? Ouais, ça peut aller, hein. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va lui mettre d'autre? Un petit canapé, ça peut être cool. Mais... Bof, on met des chaises comme ça. Un petit coin. Euh...
c'est pas ça que je voulais faire. Alors je sais toujours pas, hein, mettez-moi dans les commentaires, je sais toujours pas comment on met de la musique, comment on personnalise la musique. Et ça, franchement, j'aimerais bien savoir. Parce que là, bon, voilà, ça me met une musique, mais c'est pas forcément celle que je veux, quoi. Bon. Je sais pas. Alors, on continue. Je vois pas trop d'objets nouveaux, hein. Enfin, peut-être je peux vous montrer le catalogue. Mais je vois pas de. Et alors je cherchais la map monde. Ah, comme elle voyage beaucoup, on va lui mettre une valise, une malle. Mais je voulais lui mettre une map monde. Et je sais plus où c'est. Voilà. Alors on va lui mettre. Je sais, on va peut-être trouver une petite table où on va lui mettre ça. Il faut que je vous remonte là. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Ça va par terre. Ah oui, alors ça peut être pas mal d'avoir un petit truc qu'on pourrait peut-être mettre sur un petit tapis ou je sais pas, on va voir. Franchement, je vois vraiment pas. Alors, des petites tables. Une petite table pour mettre alors ça fait quoi? C'est un peu grand ça, hein. C'est un peu grand. Qu'est-ce qu'il y a comme table? C'est plutôt bureau ça, ouais. Non, j'aime pas ça. Alors on va mettre. Mais c'est pas évident. Hein. Et je sais pas quand t'as fait Chouk, si ça lui plaît ou quoi. Non, ça je vais le mettre à part. Je vais mettre des livres. Ou alors la map monde. La carte du monde, elle est où, tiens, d'ailleurs? Je sais qu'il y a des cartes du monde. Voilà. Bon, alors la carte du monde, il faut que je fasse un petit coin. Plutôt là, alors. Voilà. Et le globe. Alors attendez, la valise. Le globe. Non, le globe, j'aimerais bien lui mettre à côté de son lit plutôt. En fait, il faudrait que je lui mette. Ouais, j'ai une idée. Alors attendez. Lui mettre un lit. Un lit, je sais pas comment. Voilà, alors. On a tout changé de place. Ça, attendez, je vais lui mettre ailleurs. Je vais lui mettre la petite table. Ici. Avec ça ici. Non, ça va pas aller.
On peut pas la décaler un petit peu. Non, ça va pas, ça fait pas de pile poil au milieu. On va faire ça. Là, je vais lui mettre la map monde. Et je vais lui mettre une pile de livres. Que je sais jamais où retrouver. Léa serait là, elle me dirait tout de suite. Ah oui, elle aime. Elle aime bien qu'on ait sa photo. Bon, ben, je vais pas mettre des livres, je vais mettre la photo de Sarah, voilà. Donc après, de ce côté-là, donc la petite coiffeuse, du coup, non, ben, ça, je vais l'enlever. La petite valise, voilà, je mets ça là, et la valise là. Voilà. Du coup, peut-être que la coiffeuse, on peut la mettre là, mais en la tournant. Et ça, pareil. Voilà. Mais quoique, la coiffeuse, je l'aurais vue plus près du lit, quand même. Est-ce qu'on peut pas la mettre là? Non. Ça, si je le mets ailleurs, ça change pas grand-chose. Oh, quoique... C'est pas mal. Je crois qu'il y a un petit paravent d'ailleurs quelque part. Mais je trouve que c'est pas très intuitif. Hein, on sait pas trop où sont rangés les. Enfin, moi j'ai du mal à m'y retrouver en tout cas. Alors le paravent. Par exemple, j'ai jamais retrouvé le truc transparent de l'autre fois là. Que je cherchais partout. Ah, quelqu'un qui voyage aime les livres, hein, à mon avis. Il faut des livres. Où sont les livres? Je trouve que c'est galère. Hein. Bon, je vais arrêter de râler. Je vais arrêter de râler. Ou alors, on imagine qu'elle tienne un blog et genre, elle a ses petits, son petit bureau avec son ordi et de quoi écrire. Est-ce que je peux lui faire un bureau? Attendez. Un bureau avec un ordi et de quoi écrire. Alors, attendez. Ça commence à prendre forme quand même. Et un ordi, alors du coup. C'est pas là les ordis. Les ordis, c'est où? C'est là. Voilà. Sauf qu'à mon avis, c'est pas le bon bureau. Qu'est-ce qu'il y a comme bureau? Table naturelle, table verte, bureau moderne, bureau du prof, bureau du maître. Je mets ça, ça fait quoi? À la place de l'autre, attendez, on va voir. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais mettre une chaise du coup. C'est pas mal, il y a la petite coiffeuse. Alors par contre, il faudrait que... Il faudrait que... J'ai des paravents. Alors où est-ce qu'ils sont les paravents?
Oui, je trouve que quand on doit chercher quelque chose, on galère vraiment, on met du temps. Et ma vidéo d'ailleurs, ça fait déjà 30 minutes, faut que je fasse gaffe quand même. Je sais pas où sont les paravents. C'est chiant. Ça, c'est vraiment galère. Je passe 3 heures à chercher un truc. Voilà, je trouve pas les paravents et ça m'énerve. C'est galère, hein. Franchement, je sais pas. On peut pas. Il n'y a pas une fonction recherche. Ah! Regardez là, quand on fait rechercher, on voit tous les trucs nouveaux. D'accord. Bon, alors je vais mettre paravent. Voilà. Voilà, il fallait arrêter de râler. Est-ce qu'on peut se faire donc du coup un petit coin voilà. Un petit coin comme ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit tapis alors? Un petit tapis marron pour eux. Pas très beau ça. Enfin. Ah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tapis? Un tapis marron comme ça. Non. Non, c'est pas ça. Alors un tapis, un petit tapis carré. Si je mets celui-là à la poubelle et que je mets celui-là à la place. Non, ça va pas. Peut-être plutôt là. Non. Non, moi j'aime bien comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, ça me plaît bien comme ça. Alors, on va sortir. On va s'occuper du jardin. Et qu'est-ce qu'on va lui mettre alors, dans les trucs nouveaux, là, il y avait un petit parapluie. On peut le mettre comme ça. Avec un petit tapis, peut-être. Ça va faire bizarre, hein. Ça fait pas très. Attendez. Ça fait pas. Un autre tapis en fait. Il n'y a pas un tapis plus joli, monsieur Nintendo, là? Aime bien? Et ça va pas très bien ensemble, je trouve, hein. Ça va pas très bien ensemble. Pas évident, hein. Un tout petit comme ça. Ça fait bizarre, moi, je trouve. Ou alors comme ça. Et la maison. On la décale comme ça. Oui, ça peut être joli. Avec des petites, peut-être des petites roses blanches à côté. Ou alors, un petit palmier là. Plus de place. Un bébé palmier, il y a de la place. On va le copier. On va le mettre de l'autre côté. Ça m'a pas l'air
équilibrer ça. C'est pas... Voilà. Je vais mettre des tongs. Et puis les tongs là aussi. Des petites, petites comme ça. Et puis je vais mettre. Il n'y a pas des petites lunettes de soleil. Ah, ouais, non, je joue pas la tête avec moi. Comme ça. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on peut mettre pour que ce soit joli par terre? Petite fleur violette, là. Non, pas sur le tapis. Mais non, mais. Pas sur le tapis, monsieur Nintendo. Non, il veut pas. Je sais pas. Est-ce que ça fait joli si j'en mets plein? Je me rends pas compte. Il veut vraiment me les mettre là. Hein. Est-ce que ça fait comme ça? Ouais, c'est pas mal, hein. Allez, c'est bon. Ah non, et si je mets... si je mets un tapis plus grand? Attendez, ça ferait quoi? Si je mettais... Non. Et si j'enlève le tapis? Si je mets ça comme ça... Genre, ah ouais, on enlève les chaussures avant de rentrer chez moi, quoi. On peut pas les rapprocher plus. Moi, j'aime bien comme ça. Ou alors, le parapluie, un peu plus par là. Non, ça fait style à laisser ses petites affaires avant de rentrer, quoi. Attends, pousse-toi parce que je vois pas bien. Voilà. Si je fais ça et ça. Et du coup, j'en rajoute une. Voilà. Et je fais pareil là. Ça fait quoi là? Mon parapluie fait... C'est dommage que je peux pas le mettre ailleurs. Ouais, je vais laisser comme ça. Allez. Voilà, j'ai fini. Félicité et hâte, tels sont en effet mes sentiments, alors que je m'apprête à découvrir ton travail. Allez, c'est parti. Alors, je vais couper un peu le son. Sarah, carte blanche. Ça m'ennuie quand même de couper ce son parce que c'est trop bien quand même. Ah, on va voir si ça marche ou pas. Allez. Bon, ça a l'air de lui plaire. De toute façon, ça leur plaît toujours, j'ai l'impression. Il en a une vue de haut.
moi j'aime bien, franchement j'aimerais bien habiter là-dedans, hein. Ça me plairait bien. Hein. Un petit coin maquillage, un petit coin internet, un petit coin... Ah mais sauf que j'ai oublié de mettre des livres, bon. Voilà, ça c'est la maison de l'extérieur. C'est un peu flashy quand même. Mais bon. Oh, je sais plus comment on choisit sa photo d'ailleurs. Bon, elle a l'air contente. Ou alors elle a envie de faire pipi, je sais pas. Donc, si jamais ça coupe, je vous dis à la prochaine. Je vois que je suis déjà à 41 minutes. Et je vous mets la photo sur Facebook. Voilà. Avec le QR code et tout et tout. Et voilà. Et ben les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.